Le Parlement tchétchène a été la cible de rebelles ce mardi. Bilan, 3 morts et 17 blessés. Les combattants ont pénétré le bâtiment au petit matin. Certains d'entre eux se sont fait exploser à l'intérieur. Les autres ont été rapidement neutralisés et abattus par la police. Aucun député n'a été touché. Les autorités russes ont salué l'efficacité des forces de l'ordre et tenté de minimiser la situation. Une attaque comme celle-ci est rare, parce qu'ici la situation est calme et stable. Les policiers de la République de Tchétchénie maintiennent la paix. Un discours officiel bien éloigné de la réalité. L'attaque montre au contraire l'incapacité de Moscou à pacifier la région. Plus de 15 ans après le début de la première guerre de Tchétchénie, les rebelles continuent de narguer le pouvoir et les violences se sont même étendues aux républiques voisines du Caucase.